Jessie Gérinde a d'abord été professeure de copie dans un atelier en région parisienne, avant de devenir restauratrice d'art. Mais l'envie de transmettre sa passion l'a conduite à créer son atelier à Tours. J'ai pu aborder 4 techniques qui sont les portraits du Fayoum, c'est le 1er siècle au 4e après Jésus-Christ. C'est une technique à la cire et pigments. Ensuite, il y a la tempéra à l'œuf. Autre technique, la peinture à l'huile classique et une technique mixte propre à Rembrandt, le célèbre peintre hollandais du XVIIe siècle. En ce moment, c'est une copie de son autoportrait que Jessie réalise à petites touches. Dans les clairs, dans les blancs, il utilisait une émulsion à base de jaune d'œuf, d'huile de lin et de blanc de titane. Et pour le reste, on utilisait de l'huile, une peinture à l'huile plus classique. Ces recettes sont fabriquées sur place et se transmettent d'atelier en atelier, car il y a peu d'écrits. Et pour être copiste, il faut être très patient, observateur et savoir oublier sa créativité. C'est vraiment un oubli de soi, parce qu'on doit se plonger dans ce que le peintre, le maître, ancien, moderne, a ressenti, a fait. Il faut vraiment se plonger dans son travail. Alors, avec beaucoup d'humilité, attention, on ne fait jamais une copie parfaite, on n'est pas le peintre, de toute manière. Mais par contre, on cherche à comprendre son œuvre et à s'en rapprocher au maximum. Si les cours de copiste vous tentent, il faudra patienter jusqu'en septembre. Mais Jessie l'assure, pas besoin de savoir dessiner pour peindre à la manière des grands maîtres.